C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Virginie ? Savez-vous qu'il existe des multitudes de formats et de styles de bande dessinée ? Ces dernières années, la bande dessinée est un domaine qui est en pleine expansion. Différents formats, différents graphismes, avec texte, sans texte, des BD documentaires, des BD en réalité augmentée. Donc on va vous montrer tout ça maintenant. La plus connue, vous connaissez tous Tintin, Astérix, Lucky Luke. Voilà. Donc là on est dans la BD qu'on appelle franco-belge, qui est un petit peu la BD de base. Mais on trouve aussi des bandes dessinées sans texte, comme Anouki. Le fait qu'il n'y ait pas de texte permet qu'elle puisse être lue par des personnes qui ne savent pas lire et qui peuvent s'inventer l'histoire en même temps. Une autre BD sans texte super pour les lecteurs un petit peu plus grands, Buck, chien perdu, une magnifique histoire, tout en sépia, également sans texte, magnifiquement illustré, d'Adrien Demont. Mais mesdemoiselles, qu'est-ce que vous avez sur le nez ? Des lunettes 3D. Mais pourquoi donc ? Eh ben, parce qu'on voit pas bien les couleurs. C'est pour pouvoir regarder Jimmy Curious. Hop, qui est une BD sans texte, mais en 3D. D'où les lunettes. Quand on dit BD numérique, il y a par exemple la bande dessinée Falena, sur ordinateur, sur tablette, et qui n'a pas de support papier. On déroule la bande dessinée au fur et à mesure, et on la découvre, c'est une nouvelle manière d'appréhender la bande dessinée. Et nous allons vous parler également de cet ouvrage qui s'appelle « Rats et les animaux moches » de Sibylline Capucine et Jérôme Davio, qui va vous présenter donc les histoires de ce petit rat, où vous pourrez avoir donc de la réalité augmentée avec l'application Delcourt Soleil Plus. L'application est gratuite. Et ça nous emmène sur une définition de la pipistrelle. Les mangas se disent de droite à gauche. Donc la fin, c'est le début. Voilà. Il existe aussi des bandes dessinées documentaires qui te proposent de découvrir, sous forme de BD, des sujets comme, par exemple, l'espace ou encore la biodiversité. Et on a même des BD qui parlent de BD. Nous vous rappelons que nous avons aussi des documentaires sur la bande dessinée. Donc qui va vous parler des codes de la bande dessinée, vous apprendre à dessiner, à faire un scénario. Là, vous avez quelques exemples de documentaires et on en a d'autres en section jeunesse et d'autres en section adulte.